Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat. Mais voilà, ce qui est normal, hein, sur ma chaîne c'est des vidéos achat que je présente, des petits hauls par-ci par-là. Mais comment je suis super contente de vous retrouver, mais comment je suis contente de dingue. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'étais dans plusieurs magasins, bon pas énorme, hein, mais j'étais dans plusieurs magasins dans le 93 parce qu'en fait j'ai été super tard donc j'ai pas pu tous les faire donc il va falloir Inch'Allah que j'y retourne. Bref, l'année prochaine, je suis encore avec moi, je vais m'évader, je vais encore vous raconter ma vie, on en aura pour 15 ans. Donc du coup, j'ai été chez Claire's, le magasin Claire's, parce que mes enfants ont voulu s'acheter des choses donc j'ai été là-bas pour elles, exactement. J'ai été chez Sephora, j'ai pas trouvé ça top du tout par contre, mais bon. Parenthèse fermée vite fait, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Et après, j'ai été aussi Purée du Nord, exact. Et j'ai été aussi chercher des petites bêtises chez le marchand de journaux. Alors, on y va. Là, je commence par ça. Donc, je commence par le marchand de journaux. Donc, 5,95 €. J'ai trouvé, je grandis avec petit ours brun spécial été. Il y a des comptines, il y a un imagier et il y a trois histoires. Donc, trois de chaque. Plus 4-4 à télécharger. Comme ça. Et à l'intérieur, hein, une image hop, que j'ai pris au hasard. J'ai pris des points en fait. Donc, c'est des milliers de points à relier pour tous. Donc, chez nous, on kiffe ça. Été 2020, c'est ça. Hein. Donc, 4,10 €. Et dedans, on va relier les points. Bon, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de chiffres apparemment. Hop, c'est bon. Après, j'ai pris de 6 à 9 ans ces Dino Jeux. Apparemment, c'est nouveau. Il y a plus de 30 super jeux à l'intérieur. Il y a des labyrinthes, il y a des pêle-mêle, il y a des points par point. Alors, France Métro, il y a marqué 4 € trimestriel apparemment, donc du 7 mai au 6 août 2020. En cadeau, ton Dino à monter toi-même. Ouais, 4 €, donc c'est cool. Franchement, ils ont mis le petit crayon là. Je trouve ça trop bien. Donc, encore une fois, comme on fait d'habitude, je vais vous montrer. Oui, bien sûr, chose que je ne vais pas pouvoir faire comme par hasard. Donc, attendez, cette fois-ci, je me suis équipée de mon petit ciseau. Cette fois-ci, tu m'as pas eu. Non, parce que quelle galère d'ouvrir comme une sauvage là. Alors, je ferai mieux tout ça après. Donc, je vous montre une page. Hop là. Nous avons quoi d'autre? Alors là, c'est ils nous mettent en cadeau ton carnet de devinettes. Alors, moi, je trouve ça super cool. Il est là. Ça vaut combien ce que j'ai pris là? 5,95 €. En tout, franchement, là, de tout ce que je vous ai montré, j'en ai eu quasi pour 60 balles. 50 et quelques d'euros, hein, bref. Hein. Donc, j'aime lire Alma et les bébés tortues. Alors, je vais vous l'ouvrir. Il y a marqué 6 ans et plus. Voilà, alors, on y va. Là, c'est déjà mieux. Alors, mes premiers J'aime lire, numéro 215, juillet 2020. Apparemment, il y a ton histoire à écouter. Ah oh, oui, bah, j'avais même pas vu que c'était à écouter aussi. Regardez, il y a le DVD à l'intérieur. Je ne sais pas si je vous le montre bien, comme ça. Et le livre qui est là. Je vous l'ai dit, hein, 5,95 €, mais je trouve ça super cool. Ok, d'accord. Et dedans, tu peux te moucher mon cœur. Hein, et hop. Voilà. Donc ça, cool, cool, cool. Et ils nous ont mis, pardon, en cadeau 100 pages, 100% rire, carnet de devinettes, mes premiers j'aime lire. Alors, par exemple, ici, ils nous disent devinette. Voilà, on a la petite devinette qui est là. Et on a la réponse qui est ici. Quelle différence a-t-il entre un papillon et un éléphant? Réponse, le papillon peut se poser sur l'éléphant, mais pas le contraire. On rigole. Donc voilà. Non, ça, franchement, ça va être cool. On aime bien ces choses-là. J'ai pris quoi d'autre? 5,95 €. J'ai pris ça. Hello Girls. Alors, je vais le défaire. Alors, spécial vacances. Il y a quoi? Je pense qu'il y a un peu de tout à regarder. Un cadeau à découper. Ton quiz BFF. Ton jeu Hello Kitty. Ton jeu du donut. Ton casse-tête. En cadeau, ils ont mis ça. Des bracelets comme ça, Hello Kitty apparemment. Je les ai trouvés super mignons et en fait, Super beau. c'est en gros là, je vais vous dire très sincèrement, c'est à peu près pour ça que j'ai pris ça. Et à l'intérieur, regardez, il y a des animaux, je sais pas ce qu'ils nous racontent, mais en gros, ça va être sympa, je pense.
Ouais, ça va être sympa. Numéro du 13 juillet, août-septembre 2020. J'ai pris, alors ça fait, là cette semaine, donc il est sorti, le livre, mes petits livres d'or, mais la semaine dernière, il n'y était pas. Donc il y en a eu deux d'un coup, là, aujourd'hui, quand je suis partie donc, chez le marchand de journaux, j'ai cherché ce que j'ai pris, là. 4,99€, donc j'en ai pris deux. J'ai pris Wally, donc les plus belles histoires, c'est Hachette qui fait ça, hein. Donc c'est mes petits livres d'or Disney Pixar, donc la collection de livres pour toute la famille. Donc là il y a Wally, et ici le prince et le pauvre, les plus belles. Quand tu parlais de cette histoire comme ceci, allez hop, ouais, bah ouais, moi je te connaissais pas chérie. Alors du coup maintenant à 6,50€, c'est quoi? Alors, déjà, il y a un booster à l'intérieur, donc j'ai trouvé ça sympa. Donc, ils ont la collection, entre guillemets, de là, aussi des cartes Pokémon. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, il y a le booster. Donc, sachez qu'un booster, c'est déjà 6 balles. À lui tout seul. C'est ça. Donc, ils nous disent comme quoi, en cadeau, ton booster Pokémon officiel. Après, ici, alors, attendez. Pikachu veut jouer, un poster géant, etc. Voilà. Comme ça, j'ai pris quoi d'autre? Ça va mon bébé? Alors, j'ai pris offre découverte 8€ seulement au lieu de 10. Il y a deux magazines pour les tout petits. Donc, nous avons Colala et nous avons Picotti. Donc, Picotti, 9 mois à 3 ans. Il est comme ça. Ouais, c'est sympa. Comme ça. Et ouais, c'est cool. Et dedans, comme ça. Et le deuxième, c'est Colala. Donc celui-là, je vous avais dit 1-4 ans. Et là, c'est des animaux en fait, hein, des jeux, des imagiers, etc., etc. Et dedans, oh là là. Et ouais, c'est plastifié. Trop, trop mignon. Franchement, j'aime beaucoup, mais zéro les animaux. Je finis pour le marchand de journaux avec ça. Donc ça, c'est combien? J'allais vous dire le prix d'un magazine. Non, que je vous dise pas de bêtises. Alors, normalement, un magazine, c'est 5,95€ et un autre de derrière qui est à 4,90€. Sauf que là, les deux, c'est une offre spéciale. Les deux magazines pour 6,50€. Je trouve ça super bien, surtout que c'est des princesses Disney. Il y a des histoires et des jeux. Et là, c'est Habite et Princesse avec 144 autocollants, nana, etc. Donc, j'ouvre ça. Donc, Princesse comme ça, le premier. Dedans. Ah, il y a un semi-nid en plus à l'intérieur. Ton semi-nid. Ah, oh, cool. Et après, il y a des histoires. Aurore, un hiver enchanté et des jeux aussi. Hein. C'est trop cool. Hop, c'est cool, hein, t'as vu? Et celui-là qui est un peu plus épais, spécial mode des contes de fées. Qui est comme ça. Voilà. Et après, à l'intérieur, comme ça. Ah, c'est Cendrillon, en fait. C'est franchement trop, trop bien. Et voilà, on en a fini pour marchand de journaux. Maintenant, on va passer chez Sephora. Alors, Sephora, franchement, j'ai été super déçue. J'ai mis des choses dans mon panier et je n'arrive pas à les valider. C'est-à-dire que quand je vais, je l'ai déjà dit, hein, quand je vais sur le site, j'ai mis par exemple 3-4 choses. J'invente, hein, même si j'en ai mis plus. Je vais pour valider mon adresse, c'est-à-dire pour la taper, pour me connecter, pour qu'ils me reconnaissent, sachant qu'en plus je suis gold, etc. J'ai envie de prendre des choses, c'est bien sur le... Eh ben non, pas possible. Donc j'ai été en magasin, j'ai pas trouvé grand-chose. Franchement, j'ai rien trouvé, même quasi. Bon, de toute façon, vous allez voir là. Et du coup, ben, il va falloir remédier à ce souci d'Internet. Donc du coup, je peux pas commander. Donc, on a été donc en magasin. Moi, franchement, il n'y a rien qui m'a attiré. Pour être franche, je préfère Internet. Une de mes filles s'est pris une boule à neige pingouin, comme ça. Moi, alors, l'autre de 5,49€, c'est moins 30%, 3,84€. Mais je crois que même, il y a une deuxième des marques. On l'a peut-être eu moins cher aussi. Et de la neige. Donc, regardez. C'est super. C'est joli, hein. Magnifique. Elle est très... Elle est super belle. De dingue. Pour le prix, franchement... Elle est avec un sac Sephora. Elle fait ses courses, elle aussi, comme nous. Hein, elle s'éclate, elle profite de la vie, grâce à Dieu, alhamdoulilah. Donc voilà. Donc mes filles se sont pris chacune une boule comme ça. C'est quoi les filles, ça? Donc ça, c'est un baume à lèvres. Ah oui, c'est un baume à lèvres. En mode soirée disco. Donc c'était combien? 1,99€. On a payé ça 99 centimes. C'est super mignon. Je trouve ça très, très joli.
une de mes fessées prise à 74 centimes au lieu de 1,49. Bah, elle a voulu du jus. Maman, je veux des sels de bain. Ok. Des sels de bain. Voilà. Comme ça. Après quoi d'autre? Une autre de mes filles qui a eu sa petite crise. Là, il n'y a pas eu de réduction. Hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un baume à lèvres. C'est un baume à lèvres. Voilà, elle a voulu un baume à lèvres. Elle m'a dit, maman, je veux ce baume à lèvres, s'il te plaît, est-ce que je peux? Je lui dis, oui, vas-y. Mais je regarde en même temps la couleur. Donc, elle a pris le Brillant Shine, le numéro 3. Et ça valait 10 euros. Tout simple, mais sympathique. Après, moi, maintenant, je me suis pris 3 trucs. J'ai trouvé du papier matifiant. Youpi! Donc, en fait, il y a 50 feuilles à l'intérieur. Et moi, j'ai pris ça pourquoi? Parce qu'en effet, quand il fait chaud, quand j'ai chaud, comment ça m'insupporte? Donc, je me suis dit que ça allait me servir. J'ai jamais utilisé ça. Jamais de chez jamais. Mais là, je me suis dit, ça va peut-être me servir. Je vais voir hein, si ça marche. Si, par exemple, quand j'ai chaud, si je peux faire en sorte qu'on voit moins que j'ai chaud. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le délire, quoi, la chose que je veux vous dire. Mais en gros, voilà ce que j'ai pris. Ça valait 8 euros. Apparemment, il n'y a pas de solde dessus. Bref, c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Moi, je me suis trouvé ça. Après, j'ai Fenty Beauty. Donc, c'est une base intensifiante pour les yeux. Donc, une base à paupières. 21 euros. Super jolie. Voilà. Comme ça. Donc, 21 euros, comme je vous ai dit. Et en dernier, voilà mon dernier article. Mais franchement, j'aime trop. J'aime trop. Je trouve ça vraiment tout mimi. En plus, il y a la pochette qui va avec, etc. Donc là, j'ai quoi? Alors, step 1, on nettoie. Step 2, en gros, deuxième truc, on hydrate. Et troisième chose, on régénère. Donc ça, c'est super bien. Donc dedans, on a un stick nettoyant visage qui est apparemment ici. Après, on a un... Alors attendez, une gelée hydratante visage qui est ici. Et gelée, surtout avec ce temps-là, au top. Et après, on a le rouleau de jade pour le visage. Le rouleau qui est ici. Donc voilà. Et ça, je l'ai payé 20 euros. 19 euros ou 19 euros quelque chose. Donc 20 euros. Et voilà, on en a fini. Maintenant, nous allons passer à d'autres choses qui sont mais vraiment trop mignonnes. Mais quand je dis trop mignonnes, oh là 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 là, en plus moi j'ai voulu des... Ah, vous allez rigoler entre moi et mes fils, et alors là c'est la rigolage totale. Maintenant nous passons au Furet du Nord. Une de mes filles s'est pris ce Monopoly qui était à 29,99€. Alors c'est qu'il était en réduction parce que là il y a écrit 29,99€. Donc en gros il est en solde. Ouais. Ok, donc ben, pour ceux qui aiment cette version, en mode menottes, prison et compagnie, là, et ben du coup, au nombre de 29,99€, il était à 24,99€. Ouais. Vous gagnez 5 euros. On essaye de prendre de l'argent à quelqu'un d'autre. Non, on peut tricher dans la... En fait, ils nous disent Monopoly, édition tricheur. Pourrez-vous tricher en toute impunité? Chut, il nous dit chute, lui. MDR. Si vous êtes pris sur le fait, vous ferez menotter. Une de mes filles s'est pris à 2,70€ un monsieur Hatchoum, donc des monsieur madame, ce livre aussi. Ça complète. Bah oui, ça complète la collection. Avec à l'intérieur une page comme ça, au hasard. Elle est blanche. Ouais, elle est blanche, c'est bon en plus. Après, on a Madame Oui. Bizarre un peu, mais bon. Comme ça. En fait, elle ne sait pas dire non, en fait. En gros, c'est ça, elle ne sait pas dire non. Une page au hasard. Et là, une page au hasard aussi. Après, donc là, pour le choix de mes filles, c'est bon. Maintenant, pour mes bébés, voilà, on va dire mes deux dernières, j'ai pris quoi? Alors, ma troisième, c'est choisi ce livre aussi, L'âne trop. Donc, qui fait du vélo, oui, oui, Gallimard Jeunesse, Giboulé. Donc voilà ce qu'elle s'est choisie. Elle a voulu celui-ci. Alors après, il y en a plein derrière. Hein. Celui-là, il vaut combien? L'âne trop, 5,60. 5,60, oui. Derrière, c'est comme ça. Il y en a plusieurs. Voilà. Après, celui-ci, qui est à 14,95€. Donc, les énigmes de Lou. Je trouve ça trop bien parce que... Bon, en fait, voilà, entre guillemets, on joue tous en famille. Donc, même par exemple, c'est ma troisième qui l'a pris, c'est pour ma poupée.
Bah, c'est pour moi, c'est pour mes autres filles, c'est pour... Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... voilà, bref. Donc, les énigmes du loup, je vous disais. Et en fait, ce qui est bien, c'est que... Alors, apparemment, il y a des heures d'amusement pour démêler le vrai du faux. Retrouve les objets cachés sous l'encre magique. Soulève les volets et grâce aux indices, retrouve les coupables. Et il y a un autre qui nous dit « Trouve ton chemin dans le labyrinthe géant ». Donc, derrière, c'est comme ça. Vous voyez, les jeux, ils sont là. C'est bon, nounou, ou pas? Ouais. Chérie, regarde. Je te dis quand c'est pas bon. Comme ça. Je vous mets de près. Voilà. Des jeux, des enquêtes. Moi, je trouve ça au top, hein. Franchement. Bon goût, bon goût. Après, et pour mon bébé trésor, ouais, pour mon dernier bébé, je trouve ça tellement mignon. 14,90€. C'est trop bien. C'est des chansons à écouter. Alors, moi, je connais déjà, hein, mais j'en suis toujours aussi folle. Et encore une fois, bah, tout le monde partage, entre guillemets, tout ce qu'on achète, dans le sens où c'est tout le monde qui profite de tout. On va dire ça comme ça. Alors, c'est Milan qui fait ça. Petite comptine pour bébé. Pour bébé, moi aussi, j'aime bien, oui. Alors, c'est comme ça. Alors, des chansons à écouter. On va voir ce que c'est. Ils nous disent qu'il y a dans la forêt lointaine, au niveau des comptines, après, du moins, les chansons, Meunier, tu dors, Brie, Brie, petite étoile, j'aime bien celle-là, Pomme de Renette et Pomme d'Api, Dodo, l'enfant d'eau, Mon âne et Mon petit lapin. Et il y en a d'autres. En dessous, là, ici, il y en a d'autres. Et par exemple, quand on veut l'ouvrir, alors attendez. Il faut enlever. J'enlève la languette, c'est pour ça qu'il n'a pas marché. Là, ça va être... Voilà. Là, vous ouvrez par là, comptine pour bébé. Ici, la première page, ben là, forêt lointaine. Après, j'en prends une autre comme ça, ce sera dodo, l'enfant dodo. Hop. C'est tellement beau, franchement. Alors, là, je retire encore ce papier. Là, des chansons toujours à écouter, toujours le même prix, hein, 14€, c'est ça, hein, 14,90€, que je dis pas de bêtises. Là, c'est des comptines pour la sieste, cette fois-ci. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand j'ai vu ça avec le bébé, j'ai vu une maman avec un bébé, j'ai pensé à moi avec mes enfants, en fait. Voilà, tout simplement, là, comme ça, c'est tellement mignon, je sais pas, ça m'a fait kiffer. Donc, dedans, nous avons quoi comme comptine pour faire la sieste? Donc, on a un petit grain d'or, on a berceuse cosaque, on a le monde, non, la ronde, pardon, de nuit, n'importe quoi. À la claire fontaine, au claire fontaine, bien sûr. À la volette, dodo, petit maman, bah, gombré, mais bon. Et c'est la cloche du vieux manoir. Donc, on verra ce que ça va donner. Donc là, apparemment, il faut l'enlever lui aussi. Voilà, il y a la languette ici. Hop, que je retire. J'en mets une au hasard. Voilà. Donc là, c'est pour faire la sieste, vraiment. Là, même moi, j'allais m'endormir, pour vous dire. Donc, non, je trouve ça trop, trop mignon. Donc, c'est comme ça. Et à chaque fois, bah voilà, hein, vous avez une image qui va avec la chanson, etc., avec les paroles. Nous avons maintenant, alors, comment vous dire, je ne sais même pas par où... Pas. En fait, je ne sais pas ce que je dois vous montrer là tout de suite. Et comment vous dire, j'ai tellement kiffé, et mes enfants aussi, que ben, je vais vous montrer ça. Mais avant de vous montrer cette beauté qu'il y a là devant moi, en mode géant comme ça, et un autre plus petit comme ça, nous, perso, on kiffe ça. Ah ouais. Mais avant, je vais vous montrer ça. Je vais les mettre juste là. Voilà, comme ça. Et ça vaut, apparemment, j'ai regardé sur le ticket, ça vaut 3€. Ouais. Donc là, il y a marqué petite sirène. Et je trouve ça trop mignon. Et j'ai pensé encore à mes filles. Hein, même si ça n'a rien à voir dans le sens où il y a marqué hippocampe, château, sirène, crabe. Moi, j'ai pensé direct trésor. Ben, j'ai pensé à mes filles. Voilà, j'ai pensé à mes enfants. Là, il y a marqué Lina, le prénom de ma grande. Dommage, j'ai pas trouvé... je suis dégoûtée de ne pas avoir pu trouver tous les prénoms de mes enfants. Ouais. Voilà, mais bon. J'ai trouvé un autre prénom de mes enfants qui est Inès.
Oh là là, c'est un kiff pour moi, un kiff. En plus, ils vont être sur le frigo, donc c'est vraiment un kiff. Petite fée, parce que pour moi, mes enfants, c'est des petites fées aussi. C'est mes trésors, c'est mes amours, c'est toute ma vie. Et après, on a mes petites princesses. Voilà comment je les appelle aussi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très, très beau, magnette à poser sur le frigo. Très, très, très joli. Tu peux arrêter, s'il te plaît, deux petites secondes, mon amour, parce que sinon, mon cœur, on n'entend pas, on entend ce bruit. D'accord, mon bébé d'amour? Donc là, j'en ai pris d'autres qui n'ont rien à voir avec ceux-là, mais apparemment, c'est le même prix. Et il y a des ronds et il y a des carrés. Donc là, j'ai pris un magnette. La vie est belle, parce que ouais, la vie, elle est belle. Donc, il faut profiter. Franchement, profiter de la vie parce que parce qu'on vit qu'une seule fois, donc vraiment profiter. Moi, je ouais, la vie, elle est belle, quoi. Alhamdoulilah, Rabbi, franchement, la vie, elle est belle. Après, surtout ne grandissez... Alors, celle-là, je l'aime trop, elle me fait trop rire. Surtout ne grandissez pas, c'est une arnaque. Ah, ça m'a tué. Ça, j'ai dit, je le prends. Ça... Alors, ça m'a tué de rire. Très sincèrement, je vous jure, bah, comment ça m'a fait rire. Vraiment, c'est quasi, je rigolais, fou rire dans le magasin, façon de parler, quoi. J'avais le sourire aux lèvres. Je me dis, alors là, elle est trop forte, celle-ci. Donc, franchement, ouais, dans le sens où moi, je l'ai pris parce que je me suis dit, quand je l'ai lu, ouais, gardons nos âmes d'enfant. Après, souris à la vie. Nous avons Superfi. Donc là, j'ai pensé à mes princesses. Alhamdoulilah. J'ai trouvé quoi encore? Ici, on rêve. Donc, on vit. Alhamdoulilah, on s'aime pour la vie. Comme ça. Ils sont jolis. Moi, je les trouve super beaux. Avec des donuts. Ah, franchement, en plus, t'as vu le décor et tout. Alors là, il y a marqué maman cool, maman poule. La maman que je suis. Donc voilà, ça. Et un autre, je pense plus qu'il y en ait d'autres. Hein. Donc, c'est déjà bien. Je ne sais même pas combien il y en a là-dedans. Un bébé, c'est chaque jour une nouvelle aventure. Et encore une fois, je pense à mes enfants et à mon dernier bébé, ma quatrième princesse qui est née. Il y a 7 mois de ça déjà. Donc voilà, je suis trop contente de ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors ça, ça n'a pas été le kiff de mes enfants. Hein. Ils aiment bien, mais ce n'est pas le kiff de mes enfants. Ça, c'est plus maman. Ça, c'est le petit truc de maman, là, par contre. Hein. Et maintenant, pour nous tous, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, je vais retirer. C'est un monstre. Ça vaut 44 euros. Et je vais vous le montrer tout de suite. Hein. Ma chérie, tu m'aides à enlever le bas? C'est tout le monde. Voilà, le monde. Le monde, le monde, le monde. En aimant... comment ça s'appelle? Magnétique. Voilà. C'est des... Ouais, c'est ça. C'est un puzzle magnétique du monde. Et comme je vous ai dit, oui, 44 euros. Mais... Oh, le kiff! Il y a un autre plastique, là. Hein. Là, il y a les aimants. Et là, il y a un autre plastique pour les personnes qui veulent l'attacher. Bref, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Est-ce que ça se voit bien, mon cœur? Ouais. Est-ce que si je rapproche, c'est bien ou pas? Ouais. Donc, regardez, je vais essayer de vous montrer un petit peu. C'est bien, là? Ouais. Regardez, hop. Et hop. Ça veut juste pas voir. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis loin d'être maigre. Très, très loin. Hein. J'ai absolument pas. Hein. Et ben, je peux vous dire qu'il est gros, ce truc. Hein. Il est vraiment très, très gros. Trop, trop contente. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire ça, c'était un kiff. Le tour du monde en 92 magnettes. Voilà, tout simplement, comme ça. J'aime trop mes enfants aussi. Elles étaient mortes de rire quand on l'a pris parce que c'était lourd. Et à Furie du Nord, il n'y a pas de... pour pousser en fait. Donc j'ai dû mettre sur la poussette et tout, c'était trop marrant. Après pour le mettre dans la voiture, pareil, hein, c'était dans la poussette. Après on l'a mis dans la voiture, on était contents. Ouf, ça fait du bien. Et là, un autre... Voilà, la même chose, comme a dit ma fille, que la France, mais celui-là, vu qu'il est plus petit, tu l'as à l'école celui-là, mon cœur. Oui, c'est ma fille qui m'en a parlé. C'est oui, ma fille, c'est toi qui m'as fait découvrir ça et je l'ai vu aussi après en magasin, quand j'étais à Pickwick. Donc en fait, je vais retirer ce qu'il y a en dessous, celui-là il est moins cher. Il vaut 20... Attendez, je vous dis pas de bêtises, j'ai pris là tout de suite. 22,99€. Ouais, c'est ça, 22,99€. Donc regardez-moi ça. Il est pas trop beau lui aussi. Oh, magnifique! Ah ouais, non, franchement, bah. Moi, c'est. T'as vu? Ah, ma fille, elle aime. Mais là, c'est la ma fille, elle kiffe de dingue.
Alors ici, nous avons quoi? Bah ici, nous avons tout le nord. Tu sais, la meuf qui veut faire la météo. Alors ici, maman qui veut faire la météo, mes enfants. Alors ici, nous avons le nord Pas-de-Calais à cette région. Après, nous avons ici, tout au fond, par là, nous avons vers là, l'Italie. C'est trop marrant, franchement. Ah ouais, moi, j'aime bien Perpignan, tout ça. Moi, je connais, hein, parce que j'aime beaucoup la côte d'Azur. Et l'autre côté, là, je suis... non, et à la côte d'Azur, il y a les Béliers, tout ça, ouais, moi je connais. J'aime beaucoup, franchement, le bas de la France, au top. J'aime vraiment beaucoup. Ça nous permet de regarder, c'est un kiff de se dire, par exemple, moi je veux vous dire, hein, le Loiret, voilà, moi par exemple, je connais pas vraiment. Bah voilà, il y a le Loiret, il y a la marque Orléans. En plus, tu peux te repérer où tu vas. Exactement, si demain j'ai envie d'aller en Seine-Maritime à Rouen, et ben voilà, je me dis que c'est par vers ici, etc. Franchement, top. Là, je vous ai donné des exemples bidons, mais c'est, franchement, c'est trop bien. Donc, bien sûr, mon cœur. Tiens, mon amour. Elle est contente parce qu'à l'école, elle l'a. Ma deuxième. Bien. Et elle m'a dit, ah maman, toi, tu prends le grand. Là, je dis, bah oui, parce qu'en fait, elle voulait, entre guillemets, mes filles, elles sont habituées apparemment à celui-là. Elles connaissaient celui-là, mais elles connaissaient pas le géant, là, le monde que je vous ai montré. Et après, on a pris celui-là, j'ai dit, bah non, je prends aussi le géant. Elles m'ont dit, ah ouais. Donc voilà, ça leur a fait plaisir, donc c'est cool. Bref, bah, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit moment, ma présence détente vous aura plu. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Elle est en train de, ça y est, elle est en train de l'enlever, là, pour histoire de refaire la chose. Donc, bah c'est fait pour, de toute façon, c'est... Ah là là, le kiff, je vous dis pas, le monde des gosses, il n'y a pas mieux. Je vous fais de très très gros bisous. Surtout, surtout, portez-vous bien. À bientôt tout le monde. Bye bye. À bientôt, inchallah. Bye bye.